Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on continue Resident Evil Révélation, donc on est à l'épisode 3. Donc j'espère que vous allez bien les amis, moi je vais tranquillou. On va voir qu'est-ce qui s'était passé précédemment dans Resident Evil. Wouah, ça va claquer ça. Donc là, c'est ce qu'on avait vu à la fin de l'épisode 2. Donc là, on va voir ce qui va se passer à l'épisode 3, parce que c'est sous forme d'épisode, et oui. Donc comme je l'ai dit, j'essayerai de faire environ ben voilà, un épisode en entier pour être sûr et certain que voilà, on puisse le faire tranquillement, quoi. Alors. Donc là, je crois qu'on va pouvoir y aller, ça y est. Donc là, on contrôle Parker pour cette fois-ci. Voilà le signal que j'attendais depuis très longtemps. Beau travail. Jessica, Parker, à vous. Les locaux ont été infiltrés. On ferme boutique. Préparez-vous à rentrer. Séparez-vous et rejoignez les listations sur le toit. C'est un ordre. Ok. Je coupe le couloir avec Jessica. Le bleu, assure-toi qu'ils atteignent l'hélico. Ok. Parker, ils ont lancé la procédure d'évacuation. O'Brien ? Tu penses que c'est la fin ? Non. Ah oui, d'accord. Ocho. Alors ici ça va être intéressant les amis, vous allez voir pourquoi. Les voilà. Tire. Je ne pense pas qu'on y arrivera à deux. On n'a pas le choix si on veut s'en sortir. Après ça, on fonce à l'hélico. Ah non. Dégage, c'est le prix d'Enter. Ah oui, parce que les Hunters continuent quand même, hein, mine de rien, à exister dans les Resident Evil. Il est juste derrière, il est juste derrière. Fais gaffe. Le monde entier va bientôt être courant. Tout le monde associera Veltro et terrorisme. Je crois que c'est ce qu'ils aient fait. Eh, c'est pas encore fini en plus. Hein. Oh là là, ça fait mal en plus. Oh 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 oh, deux coups et c'est déjà la mort limite. Allez allez. Putain. J'ai plus de balles de mitraillette. Ça va être la merde, ça va être la merde. Allez. Oh non. On se casse. Bon, on va pas pouvoir se casser en fait. Va falloir se les faire. Oh. Je crois qu'en plus il y en a un dans mon dos. Non. Va-t'en. Non. Ouh. Celui-là je l'ai esquivé. Yes. Tchou. Et son costaud. Voilà pourquoi j'aime jamais ces ennemis dans les Resident Evil. Alors rigole pas trop parce que...
D'accord, faut aller en haut ici. Wow. Ça va être chaud hein, les amis. Là on se rend compte que c'est vraiment des ennemis qui sont beaucoup plus costauds. Oh punaise. Je sais pas si je vais y arriver cette fois-ci sans moi. Allez, viens, viens, dépêche-toi. Tchou. Bah on aurait pu quand même le tuer tranquillement, même s'il est dans le... L'ascenseur. Je crois pas que maintenant tu pourras avoir ton dîner avec ton homard. C'était le dernier ascenseur en état de marche. En fait, je suis pas sûr de vouloir prendre l'escalier. Sans deck. Ah, ça va. De toute façon, faut vraiment leur faire des coups dans la tête, sinon vous êtes dans la merde. Je vais quand même économiser les balles. Oh, ça je le sens mal. Ah, t'as le temps hein, pour le tuer toi. Elle est lente. Tiens, j'ai envie de lui mettre un coup de pied, mais je vais attendre 2 heures pour lui mettre le putain de coup de pied. Oh oui, oh oui. Un M3. Alors ça, c'est même pas la peine. On va faire un nettoyage tranquille. Recharger ses armes. Oh là là. Pour une balle, il me reste plus qu'un chargeur quoi. Je sais pas pourquoi, mais bizarrement, je le sens pas. Sale histoire tout ça. Comme quoi que les attaques biro au terrorisme... Quand ça y va. Hein. Ça envoie le pâté. Ok. Bon, mais là, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce O'Brien ? Le directeur de BSAA ? C'est pas mon type. C'est pas ce que je voulais dire. Je crois qu'il a raison. Il faut qu'il tienne tête au général Morgan. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'appartenir au FBC déforme le jugement des gens. L'entendre. Enfin quand même, j'aimerais bien me battre du côté des gentils. Attendez, je suis en train de regarder, mais non, apparemment c'est pas ici. Voilà, si c'est ça qu'il fallait faire. Je préfère vérifier. Oh non 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 non. J'ai eu peur qu'il y en avait un autre. Par contre, je sais que j'ai plus de balles de shotgun, donc j'ai intérêt à faire très très attention. Non, bah là, il n'y a plus rien. Hein. Normal. On a quand même assez de balles, ça va. L'ascenseur est au 6e étage. Vite ! Allez, faut qu'on monte au 6e étage. Dépêcher. Oh là là. Je sens qu'on va devoir se lancer un combat de malade.
Mince, je pouvais lui foutre un coup. De toute façon, j'ai plus beaucoup de balles, donc là, il va falloir se le faire à la mitraillette. Il y a ciblage automatique, je savais pas ça. Ok, c'est good. La voie est libre. Enfin, j'espère. On a quand même 5 trousses de soins, mais bon. Comme je vous ai dit, 2 coups par eux, ça fait déjà bien bien mal. Donc je le sens un petit peu mal cet épisode. Hein. Je savais pas que c'était aussi tôt d'ailleurs. Donc je vous avoue que je suis un petit peu surpris. Ben, c'est ce que ça a signifié encore. Moi j'aime pas ça. Un cul-de-sac, mais normalement si on est ici. On peut passer par là. Aide-moi. Ok, j'arrive. Ouais, mais dépêche-toi. Dites-moi que je rêve. Jessica, vite! Mais ils voulaient nous mettre du stress, mais bon. Ils sont coriaces, ces enfoirés. Espérons que ça les retienne. Allez, l'ascenseur est juste devant. Tu vas voir si ça va les retenir. Oh punaise. Donc là j'ai pas vraiment le droit à l'erreur en fait. Aïe aïe aïe. C'est en fait ici où à un moment je suis mort sur la 3DS. Puis je crois que je joue en... aussi en normal, je sais plus. Allez, plus vite. Ils arrivent. Ce qui m'inquiète c'est par où ils vont arriver. Bon d'accord. Ah moi non plus, je tape pas dans les monstres cannibales. Oh punaise, dépêche-toi de recharger. Recharge, recharge, non, recharge ton arme. Mince, mais je cours de touche à chaque fois, c'est chiant ça. Je crois qu'en même temps, t'as ça comme ennemi, t'as pas vraiment envie de faire le malin quoi. Ok. J'espère juste de pas me prendre de dégâts. Eh merde. On est quand même pris un pour définir. Oh putain. Eh mais c'est du foutage de gueule vous. Non. Non mais... Punaise. J'ai même pas eu le temps. Fatch, je dois tout recommencer. Bon. Comme quoi vous avez vu, ça peut être chaud quand même. Ça peut être chaud. Bon si vraiment vraiment ça va pas, écoutez, on... Je recommencerai en normal, enfin plus en normal mais en facile puis c'est tout. Mais ça m'embêterait quand même d'à côté. Oui.
Attends, j'étais tranquille et je sais pas vraiment où mettre. Ah, peut-être ici. Comme ça. Essayer à voir si ici ils vont pas venir en fait. Je crois que c'est toi qui les attire. T'es bien trop sexy. Alors là, on va essayer de s'échapper. Ouais, ça passe quand même ici, donc c'est un peu la merde. Quoi. Non, c'est bon. Faut avoir des réflexes d'acier ici. Hein. Il est là. Viens là. Et vu le nombre de tués, on peut pas avoir... Non, toi tu restes là. Alors, attendez, là je vais essayer de chercher les munitions, ça va être la galère. Ok, celle-ci je les ai pris. Non, 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 je suis dans un sort de cul-de-sac, je vais être dans la merde. Ouh. Ouah, c'est bon. Sauvé par le gong. Recharge, dépêche-toi. Recharge vite. Allez, recharge, recharge. Shoot. Oh punaise, on peut y aller en plus. Cours Jessica, cours, cours. Ah non, 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 tu cours. Tu cours, tu me casses pas les pieds. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh, mais toi, t'es pas possible, hein. Allez. Oh, impossible cette femme. Jessica, elle fout la merde partout, elle. Tchou. J'ai envie de te mettre une balle dans la tête juste parce que tu fais l'idiote là. Ouais. Rayé de la surface de la Terre. Demain matin, Terra Grigia ne sera plus qu'un nom dans les livres d'histoire. On a fait tout ce qu'on pouvait. Allez, allez. Je l'espère. Ok, et n'oublie pas que tu me dois toujours un dîner au resto. Est-ce que j'ai déjà manqué à ma parole? Bah ça va, tu vas être gâté. Un petit dîner aux chandelles. Grouillez-vous, il faut y aller. Ok, les femmes d'abord. Bah ça c'est mort, les femmes d'abord. Là c'est je me casse parce que j'ai pas envie de crever, ouais. Mais oh. Bon bah voilà, au moins c'est fait. On est tranquille d'un côté.
Oh putain. Tout s'écroule. Malheureux. Ils avaient fait exprès d'avoir fait une sorte de source exprès pour ne pas polluer ni rien et... Et voilà. Magnifique Jessica comme elle est. Ouais, mais ça on n'y peut rien malheureusement. Bon, une mort, ça va encore. C'est pas trop compliqué on va dire. Alors, on va sauvegarder quand même, hein. Mine de rien. Voilà. En fait, les PB, pour les personnes qui ne savent pas encore, c'est les points qu'on va devoir utiliser pour justement, quand vous allez faire le mode commando, le mode raid, vous allez justement acheter des armes grâce à ces PB. Donc voilà, je vous dis cette petite indication. Réponds-moi, Raymond. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est pas le moment de se battre. On doit... Arrête un peu. Vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, ni contre qui. Raymond, ne bouge plus. Rien ne change si on ne se salit pas les mains. C'est un sacré loustique, lui. Alors le FBC aussi est sur ce bateau. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'a aucune information dans cette affaire. Il faut fouiller le bateau si on veut des réponses. Je m'en serais bien passé, mais bon. Allez, bah on y va. Hein. C'est reparti, les amis. Hein. Là, on se remet avec Jill. Wouhou! Voilà. Moi tu meurs assez vite toi. J'ai l'impression que je perds tous mes soins quand même, mine de rien. Ok. Au moins on a ça avec la vieille barre. Pour le moment c'est mon pistolet que je peux qu'améliorer parce que je n'ai pas vraiment d'autres armes. Bon ben non, il n'y a rien d'autre. Ok. Ça m'étonnerait que ce soit la bonne clé. Ah, quoique. Si c'est la bonne clé, tranquille. Je vérifie quand même tout. Ok. On a récupéré une carte. Salle de transmission d'urgence en traversant le hall. Oh. Il s'est fait exploser la poitrine. Dommage. À de moins quoi. Salle de transmission d'urgence pour essayer de joindre le QG. Déjà ce qu'on devrait essayer de faire c'est de pas mourir. Hein. Ce serait déjà pas mal. D'accord. Moi je fais une deuxième fois mais j'ai pas fait gaffe. Bon on n'a pas récupéré encore le courant. Donc il me semble qu'on doit re-aller au niveau du début. Comment tu le connais? On travaillait ensemble. Ça s'arrête là. Je crois que là, pour le... Et ça, il y en a encore un, non?
Ouais, j'allais dire, impossible quand même que tu disparaisses comme ça, c'est pas possible. Je préfère tout vérifier à chaque fois dans chaque niveau parce que si on peut retrouver des balles, ça serait magnifique. Bon, bon là, il n'y a rien d'autre. Ok, on y va, on continue la route. Donc là, on doit retourner en arrière. Attendez. Ah non, c'est pas ça que je dois faire. Comment on fait pour... Bon, c'est pas... On va faire ça, il nous rejoindra un peu plus tard. T'as qu'à pas être aussi long que ça. Ok. Normalement, comme j'ai des balles illégales, enfin des trucs illégaux. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais, malheureux? Ah oui, ça vous monte quand même pas mal. Hein. J'avoue que de ce côté-là, c'est bien. Tiens, ça a l'air vraiment d'être une arme très très puissante en fait. Alors. C'est cool parce que là, il n'y en a plus du coup. Là. Il t'a fallu quand même du temps pour que tu lances ta grenade. C'est bon. Ok. Bon, au moins, ils sont morts. Ils ne casseront plus les pieds pour après. Là il faut une carte, on l'a pas encore. Oui, par là. D'accord, donc moi il faut que je lui tire de là en fait. K.O. Attendez, je vais m'appliquer. Oh merde. Ok. Au moins t'es mort toi là-bas. Il fait pas un bruit quand y a rien, voyons. Tchou, c'est une grosse dinde là. Voilà. Ah bah non. C'est pas ici. Donc ça doit être par là. Et il me semble qu'on doit retourner tout au début. Hein. Du coup. Enfin, vers le début. C'est ce qui me semble. Puis voilà, le bateau, c'est pas comme s'il était un peu grand quoi. Ça c'est fait, ça mérite d'être clair. On a encore une porte rouge dans le coin, donc on va aller voir tout de suite que c'est. Bah voilà, bah, je crois qu'on devait juste aller ici hein. D'autres objets. Ouh.
Vu la couleur, je crois qu'il vaut mieux l'installer. Attends, il n'y a rien d'autre? T'es sûr de toi? Bon bah alors c'est que c'est une pièce illégale vraiment très très forte parce que... Là c'est abusé. Bon là c'est normal, hein, c'est une phase de gameplay qui est un petit peu différente ici. Ah mais qu'est-ce que je fais? C'est les chiottes, ça sert à rien d'aller par là. Ok. Bon ben là je suis un petit peu paumé je pense. Bon, là de toute façon on avait été par là, il n'y a plus rien. Tout par là a été fait. Donc à mon avis c'est de l'autre côté, ça doit être vers le bas. Je ne vois que cette idée là. Ici c'est quoi? Ah voilà. Alors ça c'est une sorte de phase de chargement. Bon sur 3DS ça faisait des... Voilà. Une sorte de bug comme ça vite fait. Mais ça c'est normal. C'est pas un coup de freeze exprès ou autre. Ok. Ça c'est ce que j'appelle un bateau de croisière. On se croirait dans un opéra. Voyons voir où se trouve la salle de transmission d'urgence. Jill, quelqu'un a laissé un mot ici. Ok. Oui, d'accord, on sait que c'est la merde, le bateau qu'on demande serait de cingler. Oui, je sais. Il est souvent qu'il rejoigne. Ouais, d'accord. On n'a pas vraiment de... On est juste à côté du hall. Allons-y. On devrait pouvoir trouver cette fameuse clé. On va essayer de continuer par ici. Rien du tout. Tu crois que c'est de l'autre côté? Attends, moi je vais quand même vérifier si par là on peut aller. On n'y aille pas pour rien non plus. Parce que si on peut aller par là, tant qu'à faire. On va voir hein, ce qui s'y déroule là-bas. Déjà la musique a bien changé. Oh. C'est quoi cet endroit? Purée. Bon bah là, elle va déverrouiller cette petite porte. Non, c'est pas ici. Mince. Ouais, moi les énigmes, alors là, c'est, ça fait deux. Ah voilà, on y est arrivé. Tout de même.
encore des pièces ou je sais pas quoi, non. C'est parti, ok, on a un purificateur, on a une pièce. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Ça c'est bien ça. J'aime. Bon, par contre avec un clavier et une souris, alors je ne vous dis pas le bordel que ça va être pour moi. On va mettre un bout de temps à filtrer. Ok. Ouais, mais au moins. Au moins on est tranquille parce que ce sera déjà fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Dès que c'est filtré. Enfin, de toute façon, on va pas le savoir forcément tout de suite. Je crois que c'est filtré, je ne sais pas. Ok. Par contre, si tu... Voilà, tu peux te dépêcher, c'est magnifique. Bon, moi, on a notre fusil sniper. Je vais pouvoir lui mettre, justement, plus de dégâts. Bon, mais là, non. Ça marchera pas non plus, hein. Normal. Pas d'électricité, donc. Impossible de fonctionner. Et voilà, comme ça, fusil sniper. Encore une petite pièce. On a récupéré deux pièces quand même dans ce... Non, trois pièces dans ce niveau quand même. C'est plutôt correct. Hein. Allez, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. D'accord. Quand je vise pendant un temps de chargement, ça fait bugger. Pas mal. Mmh. Mais tu ne nous as pas indiqué où c'était. On n'a pas trouvé de carte de toute façon. Ah non. Alors par contre, je ne sais plus... Ah oui, voilà. On doit aller au pont latéral. Ah, punaise. Je déteste ces trucs-là. F1, F2, F3, F4. Ok. F4. Il nous faut une clé, mais il faut qu'on descende, d'accord. Ok, au moins je le sais. C'est mieux. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est améliorer vite fait, comme je vous ai dit, notre sniper. Parce que là, on a quand même un bon pistolet de départ. Donc, autant en profiter. De toute façon, je crois que c'est le meilleur des pistolets. Donc, Ah, c'est une... il y a une cadence de tir. Alors. Bon, au moins, tac, deux coups, c'est fait. Cadence de tir, on l'améliore. Non. J'hésite quand même parce que le sniper, ça va être efficace. Non, reprends-le. F1. Oui, je dis F1, mais c'est parce que c'est... Je dois tirer avec F1. Ok, voilà. Maintenant, on a quand même pas mal de dégâts sur notre sniper. Ce qui va nous aider. Donc voilà, là, on va descendre. Vu qu'on est obligé de descendre. Ah bah non, c'était pas ça. C'est pas grave. Et cabine du haut, je vais quand même monter, non? On va regarder ça. Ouais, j'ai quand même monté, donc ça sert à quoi?
Ouais, donc voilà, c'était bien les cabines du bas. Ah, je préfère vraiment m'assurer plutôt que faire une grosse bête. Donc là on a ça. Allez, on va faire F4. On va bien analyser parce que ça commence à être un petit peu tendu. Et puis là on peut pas vraiment... Ah, attendez. Faut trouver... D'accord. Non, bah en fait, on doit carrément aller sur le pont. C'est un peu plus compliqué que prévu. Hein. On doit aller sur le pont. Ok, ouais, voilà. Donc, aller sur le pont, trouver le passage. Où on devait... bah, normalement, c'est là où je pensais déjà dès le début, il me semble, non? Mais sauf qu'on pourra pas parce qu'il n'y a pas d'électricité, c'est ça? Oh, si c'est ça, ça va commencer à être un petit peu casse-pied. Ça fait un bail que j'ai pu jouer en plus. Honnêtement, il n'y a pas quelque chose pour m'aider vraiment mieux que ça parce que... Ah ouais, c'est cool de mettre destination ici, mais quels sont les trucs que j'ai fait et que j'ai pas fait? Parce que moi, pour moi, j'ai déjà la clé. Alors. Si nous nous en rappelons bien, on doit aller chercher un fusil à pompe, mais j'ai pas envie d'aller chercher. Écoutez. Je crois que j'ai trouvé le passage. J'étais en train de me faire une petite frayeur juste là. Disons, je suis peut-être un petit peu perdu. Alors. Donc pour mon pistolet, au moins, on va vérifier vite fait quelque chose. Ok. Tranquillement. Donc ok, mon sniper, je lui ai mis de la cadence, des dégâts pour le pistolet avec deux balles d'un coup. Oh, en espérant... quoique, non, non, on va faire un autre truc. Non, rends-moi mon pistolet. On va le modifier, le pistolet, on va lui enlever les dégâts, on va lui mettre des dégâts de 10. Hop, et le sniper, lui, on va lui mettre des dégâts de 20. En plus que la cadence sera un petit peu plus améliorée quand même. Donc mine de rien, vaut mieux lui mettre pas mal de dégâts. Et là, on va aller en dessous. Voilà, promenade. C'est vraiment un labyrinthe de toute façon ce bateau. Si je vais par là, il va y avoir quelque chose, non? Ouais, bah il est bizarre ton appel d'urgence, hein, moi je te le dis. J'espère que Parker par contre ne fera pas l'idiot. Tu sais comment les monstres rigolent, parce que là on peut pas vraiment dire que ce sont des infectés, c'est des monstres. Hein. Tu peux arrêter, s'il te plaît. On dirait qu'on a trouvé le pont promenade. Eh merde. Il va essayer de nous tirer dessus lui.
entendu, on va essayer de faire quelque chose. D'accord. Ne t'endors pas sur tes lauriers. Voilà. Ouais, mais ton appel d'urgence, tu peux attendre. Il y a des monstres planqués dans tous les coins. Et on n'a pas encore trouvé un survivant. Moi ça va me faire peur justement si un survivant comme je comme on va le voir. Bon, pièce. On ne sait pas ce qu'il y a dedans donc je vais aller vérifier. Ok. Cadence de tir 2. 6 peut être pas mal. On va essayer. Ça pourrait vraiment être pas mal si ça fonctionne comme je pense. Il est bizarre, on dirait un couplet avec un démon. Oh, les bruits s'approchent de plus en plus. Oh putain. Non, il est plutôt en état de vouloir nous couper en petites rondelles, ouais. Oh, putain. Non, putain, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Oh purée. Putain, non, 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 non. Waouh, et je vous jure que ça, ça va pas être facile pour moi. Oh, purée. On va encore bien s'amuser, moi je vous le dis aujourd'hui. Non. Il a pas explosé le truc. Putain non. Parker, dépêche-toi, mène ton cul. Oh putain. Essaye de m'aider Parker. Plutôt que faire l'idiot là. Qu'est-ce que j'ai demandé pour subir ça? Ah oh, punaise, j'arrive même pas à brasser mes tirs. Je vais me faire tuer, hein, je le sens. Eh mais putain. Eh shot de merde. Eh mais arrêtez, pas tous. Oh putain, je suis foutu. Je suis foutu, je suis foutu. Hop. Eh mais laisse-moi tranquille, toi.
Bon, je vais monter, hein, écoutez, parce que là, commence à devenir chaud, patate. Attends, si je vais par là, ça va faire quoi? Il est peur que je... Wow. Ça fait surtout très peur parce qu'il est juste derrière nous, quoi. Ok. Faut qu'on essaie de se concentrer sur ce monstre de toute façon, donc ça va pas être chose facile, je vous l'avoue. Il est où, lui? Il me demande par où il va passer. Ah, c'est bon, je sais par où il passe. Oh, bien sûr, prends pas les dégâts de zone, toi. Oh, putain. Hop là. On va essayer de voir si je peux l'avoir comme ça. Non, bah là c'est vraiment la merde. C'est vraiment un boss. Vous avez une chose, c'est que... Oh putain, si en plus je me fais piéger par des petits trucs de con là comme ça. Et combien de temps je vais devoir mettre pour lui? Je sens qu'il va me choper quand il faut pas, lui. Une. Ouais, c'est comme ça, de toute façon on ne pourra vraiment pas faire autrement donc. Un stop aussi pour moi. Hein? Chut, j'en ai plus. Oh oh. Ouais bah là, là ça commence à me les briser parce que j'ai plus de vie. Hein. Parker, aide-moi. Je sais pas ce que tu peux faire, mais aide-moi. Parce que ça commence vraiment à me les briser. Je sais plus quoi faire, hein. Sérieusement, je sais plus quoi faire. Je me prends un coup, je suis mort. L'autre, il meurt pas comme ça, là.
Ah. En plus, il me court au derche. Ah, je sais ce que je pourrais essayer de faire, mais ça va être chaud. Il va me faire buter. Merci, monde cruel. Ah bah. Je me rate pas, normalement je peux l'avoir donc. Viens, viens. Bien sûr. Toi t'es un coriace mon gars. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aurais peut-être pu l'avoir. Ça y est, il est reparti dans son délire. Hein. Ils peuvent arrêter juste... Wow. Eh ben, je l'ai eu mine de rien. Maintenant faut juste pas que je meure comme un idiot et c'est ce que je vais arriver à faire. Vous allez voir. Hop, j'ai réussi à le brasser celui-là. Celui-là aussi. Et voilà, clé bouée. C'est la clé de la salle de transmission d'urgence. Ouais. Quittons ce trou à rats infesté de monstres. Good. Je vous avoue que là c'était plus que du sport pour moi là. De haut niveau. Alors, allons voir un petit peu ce qu'on nous... n'a pas récupéré quelque chose par hasard. Non. Donc c'est bon, ok. Récupérer un rein, certainement un shotgun plus tard parce que là j'ai pas envie d'aller chercher ce fusil à pompe, j'ai déjà assez de temps sur ce niveau. Ok. On va encore devoir se jouer à l'électricien. Ouais, faut juste faire ça, ok. Bon, on va faire ça. Je crois que ça devrait être bon. Ok, donc là, on est revenu sur le pont. C'est bon, ben on va y aller sur la poule. Quoi qu'attendez. De là où je suis, normalement je peux peut-être aller chercher le shotgun. Donc non, on va aller de l'autre côté. On va aller dans le...
pont promenade. Non, c'est pas là où j'aurais dû aller, c'est pas grave. Faut déjà monte par cœur. On va aller sur le pont, on va descendre un petit peu. On va chercher ce satané shotgun. Voilà. Donc ici. Normalement je passe par là. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Enfin, cet épisode est un peu plus long. Enfin, c'est vrai que c'est comme ça, hein, c'est Resident Evil. Vous pouvez pas vraiment prévoir, savoir combien de temps vous allez passer. Normalement je crois que je dois aller au premier étage. Non, quoi que, étage du bas. Je ne sais plus. Je crois que c'est étage du bas, mais je suis pas sûr. Cabine du bas. On va recharger pendant ce temps-là. On va prendre ça. Oh, des balles, ça va être utile. On va regarder. Non, bah c'est pas ici, c'est pas où je pensais. Ok. Dès que j'aurai le shotgun, après, on descendra tout de suite tout en bas. Ah bah je crois que c'était en haut alors. Quoique. On va voir, on va voir. Bon bah c'était en haut, c'est pas grave. Au moins on montera tout de suite. Boum. Mais attends. Mais non, c'est pas bon. Dommage. Queen Zenobia, il nous réserve encore des petites surprises. Alors. Ici, on ira. Donc sur la droite tout de suite. Et après, on continue tout droit. Et normalement, je devrais avoir le fusil à pompe dans cette pièce. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc là, on va pas... Ok, on va pas s'occuper d'autre chose. Ouais, allez, on y va. On s'occupe pas du monstre, ça sert à rien. Encore maintenant, on reva sur le pont. Petit pas de tapon. Allez, on se dépêche. Tranquillement, bah, de toute façon, les environnements, c'est quasiment les mêmes là de ce côté-là. Je ne saurais plus après vous dire ce qu'il y a après ce niveau-ci, mais déjà le boss il était quand même assez embêtant. Donc là on va sur le pont. Voilà. Allez, on se dépêche. Comme je l'ai dit, j'ai pas trop envie que vous soyez 3 heures sur un épisode. Bon là ça va. Je crois qu'on va être pas loin de... des 1 heure déjà. Mais là j'y peux rien, c'est comme ça, c'est si on meurt ou autre, ben c'est un petit peu embêtant quoi. Allez, on va dans la proue. Et c'est faire le même nombre de munitions entre mon pistolet et le fusil à pompe. Pas mal. Ok, l'empreinte est trouvée. Cartouche de fusil à pompe, c'est cool. Oh.
On va aller ramasser tout ce qu'il y a là-bas, dis donc. Coffre avec un lecteur de cartes, ok. Lecteur de cartes aussi. C'est pas là-bas qu'on devait aller. Alors attendez, F4. Ah bah non, oui. C'est bon, je viens de savoir où on doit aller. Ben, je crois. Je n'en suis pas très sûr. En allant sur le pont, on doit aller de l'autre côté. Donc ouais, on était dans le bon chemin, quoi. Ok, bon, ça peut arriver. Quand vous vous rappelez plus, faire des allers-retours, ça peut arriver. Ok. Sésame, allume-toi. Oh là là, c'est long en fait d'à côté pour moi. Heureusement qu'on avait tué quand même tous ces bonhommes. Non mais du coup on va revaler dans cabine du bord. Je crois que je vais mettre des dégâts en plus sur le fusil à pompe pour en profiter vu qu'on y est tout près. Allez, dégâts sur le fusil à pompe s'il vous plaît. Tac. À chaque fois je me gourre. Pour lui, on va voir. Ouah, ça devrait le faire. Vu déjà la puissance du fusil à pompe. Oh, si je me grossis à chaque fois de ce côté-là, ça va pas le faire. Mais bon, c'est pas grave. Queen Zenobia, qu'est-ce que tu nous remets encore dans les dents? Peut-être aller en haut. De ce côté-là. D'accord, donc on est là-bas. Ok, c'est bon. Au moins on a quand même récupéré notre fusil à pompe, on a un fusil sniper, on a un pistolet pour commencer. Il manquera plus qu'à voir ce qu'on va choisir entre le pistolet ou la mitraillette. Allez, on va se dépêcher. Tac. J'espère que l'épisode sera fini quand même. Et il aurait pu... Vous deux. Regardez. Notre cher ami au masque. Mais si mes paroles doivent être une semence d'où sortira l'infamie pour le traître que je ronge, tu me verras pleurer et parler tout ensemble. Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas. Le monde est entre nos mains. Voici le virus T-Abyss. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète.
messager vengeur des profondeurs de l'enfer. Alors voilà le coupable. Je savais que c'était Veltro. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il s'y tente. Envoyez une équipe à Baikonen Moki. Il faut retrouver ce bateau, Brian. Oui, bien reçu. Je vais envoyer Quint et Kiss. Quoi? Vous deux, préparez-vous à décoller. Oh, je déteste la neige. C'est la neige qui te déteste. Amenez tout ce que vous trouverez sur Veltro. Bah, ils vont être pas mal ces deux-là. Encore un nouveau couple. Je n'y vois rien. Je croyais que la Méditerranée ressemblait à un gros lac. Sois patiente. Un bateau en pleine mer, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Sans blague. Mais ça ne résout toujours pas notre problème. Dis, tu m'écoutes au moins ? On va te retrouver, Jill. Je te le promets. Ah ouais, c'est son ancienne partenaire quand même. Ouh, oh là là. J'ai même pas envie de regarder le temps que j'ai mis. Donc voilà, on a fini le fantôme de Vectro. Oh, bobo. Il n'y a que classement 1A. Bon, ça va. Ah. Bah, vous me direz, on a quand même une nouvelle arme. Donc pourquoi pas s'en servir. Donc voilà les amis. Donc je vais sauvegarder tout de suite. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour un nouvel épisode de Resident Evil Révélation. Salut à tous les amis.